référendum où nous allons mettre plus que nous n'avons pas pu dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sollicitez réellement? Les juges n'étaient pas indépendants. Si, les juges ont été tous indépendants, c'est une question de personnalité même du juge. Donc qu'est-ce que vous sollicitez réellement? C'est augmenter cette indépendance. On applique strictement que la loi. Monsieur le juge, que la loi. Monsieur le juge, vous avez promis de débloquer certains dossiers qui étaient... Ah oui, c'est moi qui l'ai dit dans la voilà. Salle. Voilà. Et quels sont ces dossiers, s'il vous plaît? Vous les connaissez déjà. Lequel, le 28 septembre? Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Donc, domaine. Est-ce que la Guinée a la capacité... Quels sont ces dossiers? Quels sont ces dossiers? Le 28 septembre, c'est pas moi, c'est Dixi. Ah, quel était le dossier? Moi, j'ai ARPT. J'ai un dossier de détournement en ARPT. 51 millions de francs guinéens, si vous voulez. J'ai un dossier de vol de moustiquaires imprégnés par les cadres du ministère de la Santé. J'ai un dossier de la fonction publique qui est en train d'être jugé. J'ai un dossier de détournement du département qui est là, ministère de l'enseignement technique. Voilà, 200 milliards. J'ai tout ça qui était plus ou moins... influencé. Pas mort, mais plus ou moins... Ces dossiers sont au niveau des cabinets d'instruction. Ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas renvoyés au greffe. Donc il y avait seulement un petit piétinement, hein, avec assez de relations avec les nouvelles autorités. Je crois que tout va aller. Donc est-ce que la Guinée a les moyens réellement de poursuivre l'ancien régime avec la capacité judiciaire? Je ne vous pose pas une question comme ça. Non, c'est si, on a des moyens. Est-ce que c'est possible? Je ne réponds pas à la question qui m'intéresse. Hein. Et monsieur le juge, vous avez déploré. Monsieur le procureur, autant pour moi, vous avez déploré les interférences de l'exécutif sur le judiciaire. Oui, ça c'est vrai. Et à présent. Ouais. Dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli le changement intervenu le 5 septembre? Mais ceux qui sont exécutifs aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles autorités, si nous dénonçons devant eux pour dire que hier il y avait ci, il y avait ça, ça veut dire qu'eux, ils ne doivent pas... Et comment vous avez accueilli le changement intervenu le 5 septembre? Oui, c'est un changement que tout le monde a accepté. Et si vous le discutez sur le plan du droit pur, il fallait que ça arrive, parce que la violation de la loi, tout et tout ce que vous connaissez, il fallait absolument que ça prenne fin quand même. On ne sait pas comment ça devait finir, ça devait prendre fin, mais Dieu a fait que c'est tout ça par l'armée que ça est devenu comme ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. On a évité l'insurrection populaire, j'aurais pu être là, mais Dieu a dit non, pas d'insurrection populaire, il y a un organe, il y a un attribut de la société qui est l'armée. Vous l'avez apprécié. Mais il faut apprécier tout changement de là qui replace l'État dans le droit qu'il faut. Mais il faut apprécier. Rappelez-vous.